Bonjour, bonjour citoyens du monde entier, plus précisément citoyens de la Côte d'Ivoire, notre très chère Côte d'Ivoire. Je suis Moussa Konaté, citoyen burkinabé, né en Côte d'Ivoire, fait la grande partie de mon enfance en Côte d'Ivoire, mon école primaire en Côte d'Ivoire. Mon baccalauréat en Côte d'Ivoire. J'envoie ce message à tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous les citoyens épris de paix, de liberté. Je m'adresse également au président Ouattara, surtout par rapport à toute, je dirais, à toute cette orchestration, ce cinéma sur la vie politique ivoirienne. Parce que certains me diront que je ne suis pas ivoirien, je n'ai pas le droit d'intervenir dans les affaires ivoiro-ivoiriennes. Je suis avant tout citoyen africain, pays voisin de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et je dirais qu'il y a une partie de ma vie en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce message que j'envoie, c'est par rapport à la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Guillaume Soro. Je vais dire au président Ouattara et à tous ces, je dirais, tous ces mauvais conseillers qui sont en train de l'induire en erreur. Et le mandat d'arrêt qui a été émis contre Guillaume Soro, je crois que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et je pense que ça va entraîner le pays dans des situations. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Mais je crois que le président Ouattara, même si il y a eu des couacs, il y a eu des bisbilles avec le président Guillaume Soro, je crois que ce n'est pas de cette façon qu'on remercie l'homme. Je dirais même politiquement. Même si la politique, comme l'a dit le président Chirac, ce qui est vice en morale est vertu en politique, c'est vrai. Mais le mandat d'arrêt que vous mettez contre le président Guillaume Soro, l'obligeant à atterrir au Ghana, je pense que ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Donc je profite en même temps, c'est une première vidéo. Et je pense que d'autres vidéos vont suivre. C'est une page que je vais créer. Je vais dire même un groupe que j'ai créé. Soutien à Guillaume Soro. Soutien à Guillaume Soro. Que le président Guillaume Soro, là où il est, je suis au Burkina Faso, je suis enseignant de philosophie des lycées au collège. On a tous vécu la crise ivoirienne. Beaucoup de nos parents ont payé de leur vie. Le président Guillaume Soro a donné de sa vie pour que vous, le président Ouattara, vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Pendant que on agressait physiquement, à la limite même, on a voulu tuer le président Guillaume Soro à la RTI en 2003, on se souvient. Où étaient ces vautours qui gravitent autour du président Ouattara? Je vais parler de Adama Big Togo et compagnie. Ils sont en train d'induire le président Ouattara en erreur. Président, vous êtes un père pour moi, pour nous. Venant du FMI, on a beaucoup parié sur vous. Je ne pense pas que c'est de cette façon-là. Ce n'est pas cet héritage politique que vous devez laisser à la Côte d'Ivoire. Président, ouvrez l'œil. Président Ouattara. Président Guillaume Soro. Monsieur Konaté Moussa, que je suis en tant que professeur de philosophie au Burkina Faso. Sache que tu as des millions de soutiens dans le monde qui plaident pour ta cause. Et que les gens le veuillent ou pas, tu as un avenir. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour notre sous-région. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, c'est toute la sous-région qui va en partir. Déjà que le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont en train de brûler sous le feu des terroristes. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire doit être déstabilisée. Elle ne mérite pas ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Voilà. Je ne vais pas être trop loin. C'est la première vidéo. Et je demande à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont prêts pour le président Guillaume Soro, ce groupe est le vôtre. Laissez vos messages, vos
vos messages, laissez vos vidéos. Président Guillaume Soro, je suis au Burkina Faso, professeur. Donc, nous vous soutenons. Nous sommes de cœur avec vous. Je vais m'arrêter là et merci, merci. Et je dirais merci à tous ceux qui prendront de leur temps pour visualiser, pour viser, pour regarder tout simplement cette vidéo-là. Et de m'excuser pour certains manquements. De m'excuser pour certains écarts langagiers. De vraiment être indulgent pour certains égarements. Je vous remercie et comme je l'ai dit, j'aurai d'autres vidéos qui vont suivre. Le président Guillaume Soro ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui. Parce que c'est un jeune homme qui a payé de sa vie pour que Ouattara soit là aujourd'hui. Pour que ces profiteurs qui sont en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire soient là. Voilà, donc à bientôt.